Holy shit! Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Vidéo incroyable où on fait une mise à jour des héros! Qui l'eût cru? Mais qui l'eût cru? Voilà. Bon, bah écoutez, on va tester Evirma, mise à jour The Isle, tout de suite. Ok, on se retrouve dans le salon. Greeting Islanders. First, welcome to the Realms of Evirma Protest. I understand. Ok. Alors, comment ça se trame cette mise à jour? Déjà, on a accès à un nouveau salon tout bonnement incroyable. C'est ce que j'ai envie de dire. Voilà. Bon, on va tester alors. Herbivore. Non. Qu'est-ce que c'est? Comment ça? Déjà, on choisit son dinosaure. On choisit pas son serveur. Ok. Scanning all frequencies. Ok. On va pas commencer par un herbivore, wesh. Carnivore. Terrible. Terrible erreur. Scanning all frequencies. Ok. Ok. Allez, let's go. Alors, Evirma. On va aller sur n'importe quel serveur où il y a un peu de monde. 50, des serveurs à 50. Y a pas plus. 68, 93. 99. Paf. Voilà, voilà. Comme ça, il y a du monde. On peut croiser d'autres dinos, on sait jamais. Ok. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce que Stram? Ouais, mais le truc Data Acquisition fait l'aide. Vas-y, rends pas fou en fait. Bon. Ok, on peut pas aller où on veut. On va aller sur... Bah là, mais y'a personne quoi. Là. Fait l'aide. C'est super, fait l'aide. C'est quoi ce bordel? Data acquisition in progress. Ça se lance. What the fuck? What the fuck? Ok, je suis dans le jeu, what the fuck? What? 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 Oh, je suis tout éclaté là. C'est quoi ce truc là? Ah, c'est joli. Attends, j'ai pas mes bonnes touches. Je vais me mettre en clavier anglais. Ok. Ah, c'est joli. C'est un peu sombre, je crois, pour... Pour YouTube, non? Je kéblo. Ouais, c'est un début assez... Je veux sortir cet endroit, là. Ok. Laissez-moi respirer. Ah ah, yeah. Bah, j'espère dans une forêt. Ah, c'est joli. Non, c'est très joli là. Là, c'est très joli. Ok, alors déjà, vous allez vous taire. Alors, le menu, est-ce qu'il y a des trucs qui changent? Paramètres. Voilà, bon, menu. On peut pas y aller. Caractère. On peut pas y aller. C'est bien, c'est pas mal. J'ai le chat sur le côté là. Je veux pas le voir le chat. Ok, je respire. Mais on y voit rien. Je vais essayer de voir si je peux pas vous mettre des gamins un peu parce que là on y voit strictement walou. Ou alors j'essaie de sortir de là. J'essaie de sortir de cet endroit là, j'essaie de trouver une plaine. Le dinosaure, je sais pas ce que c'est du coup. Mais il est beau. Oh, il y a un arbre là. Il est mignon. Ok. Par contre, bon, je mets pas arrière, elle flotte un peu, hein, on va dire. Ok. T'original. Je veux sortir cette forêt. Mais par contre, les graphismes sont incroyables.
Les graphismes sont totalement incroyables. Donc, c'est encore full bug, non? Ok, c'est ce truc que je viens de lire dans le chat. Alors, qu'est-ce que... Petite attaque, ok. On peut sentir, j'appuie qu'une seule fois sur la touche, c'est pas mal. Y a pas besoin de rester appuyé. Bon, ah si, peut-être que oui en fait. Ah oui, non, j'ai dit n'importe quoi. Hein. D'accord. Là-bas, il y a de l'eau là. On va aller là-bas. Par contre, les demi-tours. Ouais, en vrai c'est mieux que le L-turn, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est travaillé du coup. Je vais aller à cette petite fontaine. Bah écoutez, pour l'instant, vraiment, je trouve que le jeu est très très beau. Très beau. C'est l'ambiance sonore est incroyable. Les graphismes sont magnifiques. La forêt, elle ressort trop bien. Après, pour vous, c'est peut-être un peu sombre. Mais je sais pas en fait. Mais bon, du coup, je trouve ça très 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 beau quoi. Très beau. Et du coup, je veux essayer de bouffer un truc. Alors, les arbres. Oh mon dieu! Ah oui, il n'y a plus de bug de collision avec les arbres! Ah là là, ça c'est bien! Tac, du coup, ouais, tu les esquives direct. Ça c'est vraiment bien. Ensuite, bah écoutez, il y a quoi d'autre? Pour l'instant, on sait pas, hein, ça fait genre 2 minutes que je suis dans le jeu. Ok, j'entends de l'eau. Alors, on va voir la modélisation de l'eau, le graphisme, si c'est beau. La façon de nager, etc., etc. Ok. Ok, il y a de la terre, je sais pas trop pourquoi. Par contre, ah, c'est joli, regardez derrière moi les petits morceaux de terre qui s'envolent et tout là, quand je cours. C'est vachement bien fait. Alors là, on est d'accord. Le dinosaure, hein, par contre, vous me direz ce que c'est dans les commentaires parce que ouais, je sais pas ce que c'est. Je bois là? Là, je suis en train de boire là. Ok, bon, d'accord. D'accord, et du coup, attends, là, il y a des plantes. Est-ce que je peux manger ces plantes? Là, je bouffe un truc, non? Je fais quoi? Je me roule par terre. J'ai pas mangé du coup. Je sais pas ce qu'il fait là, hein. Bah écoutez, il y a une petite action en plus. Ok, pourquoi pas. D'accord. L'arrière, elle va dans quel sens? Ok. Ça fait quoi si je nage? Ah bah yes! Ah bah ça, c'est bien. Ah ouais, c'est pas mal ça. On aime bien. Yes. D'accord. Cool. Donc il peut sauter, ce truc-là. Mais on s'en fout en fait, on teste pas le dino, on teste la mise à jour quoi. En gros pour l'instant, bon bah la map a changé, elle est juste magnifique. Mais sinon je vois pas... Je vois pas grand-chose de ouf quoi. Ça c'est pas mal, petite nouveauté. On peut marcher sous l'eau. C'est plutôt intéressant on va dire. On a vraiment accès à rien. Ni au menu, ni au dinosaure. Je sais pas trop ce que c'est, genre. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi. On a accès à rien comme ça. Ça va être salé là. Là, ça va être salé là, je crois. Hein. Oh que oui, là, ça va être salé. J'allais dire Epic Games, mais non, c'est pas Epic Games. C'est Dondi. Dondi, what the fuck? C'est quoi ce truc? On a un nouveau dino, ouais, très beau, ouais, d'accord. On a des beaux graphismes, ouais, très beau, ouais, d'accord. Mais à part ça, ah, ça c'est des herbes. Yes, je bouffe là. Non?
Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait en fait là. Parce que mon estomac, ça se remplit pas. Alors, on va aller là. On va passer sous l'eau, paf. Non, mais là, ça va pas du tout, ça. Ok, bon, Baron, la map. La map a l'air géante. Là-bas, ça a l'air intéressant. Mais la map a l'air gigantesquissime. Gigantesquissime. Et très belle, du coup. C'est vraiment magnifique. On va essayer de sauter. On va voir ce que ça donne. Si je meurs, si je meurs pas. Non, ça fait rien. Non, ça va pas du tout là. On est quand même le 19 juin au moment où je tourne cette vidéo. L'annonce a été faite entre le 14 et le 20 juin pour la sortie officielle de la mise à jour Evirma. Et visiblement, c'est pas prêt là. Après, on va pas faire un gameplay de 4 heures non plus pour vouloir grandir le dino, c'est pas ça le principe. Le principe, c'est surtout de découvrir cette mise à jour. Et visiblement, je vois rien de spécial quoi. En fait, on peut pas trop tester, c'est vraiment une bêta. D'accord, j'ai un petit Tutaraptor, hein. Ça se voit pas trop. Alors je vais renifler pour essayer de trouver de l'eau et un peu plus de soleil. Le dino est vachement beau. Après, les dinos sont vraiment très beaux, hein. Ah, c'est. D'accord! C'est pas mal! Il y a la direction de l'eau comme ça. Ouais, il court tellement vite. Ça, c'est bien fait. Ça, je kiffe. Bah, après, voilà, là, le dinosaure, il flotte, tout là. Ça, c'est des petits détails que. Je trouve qu'ils passent pas trop, quoi. Genre, ça a été déjà, là, le dinosaure qui est pas pleinement posé sur la pierre. C'est un petit détail, je trouve, qui est pas terrible, terrible. Hein. Les empreintes, ok. Est-ce que c'est. Ça change en comparaison avant, je crois pas. Je crois que c'est à peu près le même système, sauf que on a l'air de pouvoir les voir un peu plus loin. D'accord. D'accord. Yes, stylé, comment il s'arrête? J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Après, ouais, ça a pas l'air du tout d'être fini pour l'instant. Ça a l'air vraiment d'être une bêta. Enfin, c'est une bêta de la mise à jour Evirma. Mais ouais, c'est clairement pas prêt, hein. Par contre, tu peux pas marcher normal. Ah ouais. Ok. Rien à foutre. Super Uterminator. Bon, les petits lags, les petits rollbacks, ok. D'accord. Non, bah sinon, ouais, à part le fait que ce soit très beau, je trouve qu'il n'y a pas grand chose quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Genre là, l'animation quand tu bois, elle est quand même un peu éclatée quoi. Hein. Faut être assez honnête. Donc ça, bah, il n'y a pas eu d'amélioration. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'eau dans laquelle bah, tu peux pas nager et tu marches sur le sol. Bon, ça, je pense que je vais même pas le relever. Hein, parce que bon, au bout d'un moment, c'est trop dur. C'est trop dur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, j'ai pas vu grand-chose. À part ça. Donc bon. J'essaie de lire un peu le chat là qui est derrière moi, voir s'ils disent des trucs. Pas l'impression qu'ils disent grand-chose. Parce que c'est clair que dans mon analyse de gameplay, je vais certainement faire des erreurs. Parce que j'aurais pas tout vu, évidemment. Mais. What the fuck? En tout cas, ce que j'en ai vu pour l'instant, je trouve que c'est pas dingue. Hein. Ok, il n'y a qu'une seule attaque toujours. Ok, les cris là. D'accord. D'accord, je suis un bébé quoi. D'accord. Pas mal. Les cris ont été un peu revus, c'est pas mal.
C'est bien. Pourquoi pas? Il y a cette petite action en plus là qui est sympathique aussi. Ouais. Après, le dinosaure est quand même très beau, quoi. Ok, je me couche, je vois ce que ça donne. Petit problème ici, là. Petit problème, là. Voilà, c'est un petit peu en mode savane et tout. Ça change de toute la forêt qu'il y a derrière. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Par contre, toutes les mécaniques manger et tout là. En vrai, je vois pas comment les tester. Hein. Je sais pas s'il y a des IA, j'en ai aucune idée. Je sais pas s'il y a des joueurs et que je pourrais les tuer. Normalement, il y a des joueurs parce qu'ils sont en train de parler derrière moi, vous le voyez. Mais bon, du coup, on peut pas trop tester les nouvelles mécaniques pour l'instant. Donc je sais pas, je vais essayer d'aller sur cette montagne là-bas aussi, voir ce que ça donne. On va essayer de découvrir un peu la map, parce que dans tous les cas, c'est ça qu'on peut faire, j'ai l'impression, pour l'instant. Parce qu'au niveau des mécaniques du jeu, ben, on a du mal à les découvrir, parce que ben, on sait pas trop voilà, comment ça se passe, voilà, voyez-vous. C'est-à-dire que j'ai pas accès aux touches. J'ai pas accès aux touches, j'ai pas accès aux characters. C'est-à-dire aux dinosaures. Donc il y a très peu de mécaniques du jeu implantées pour l'instant dans cette démo bêta de la mise à jour Evirma. Voilà, donc on peut pas trop tester, donc c'est pas dingue non plus. Mais donc on va explorer la map un petit peu, voir un petit peu les paysages différents qu'elle nous propose. Et puis voilà, on va faire ça pour l'instant. Mais sinon, pour l'instant, premier avis que je pourrais donner, c'est que c'est pas ouf. Ok, on arrive à la mer. On arrive à la mer. Putain, la mer. Ouais, bah, c'est très joli. C'est très joli tout ça. C'est très beau. Paf. Voilà, il n'y a plus de problème d'apnée. Mise à jour The Isle, on s'en fout, on meurt plus de l'eau, puisqu'on marche sur le sol. Voilà, donc particulièrement, je trouve ça assez what the fuck, quand même, j'ai envie de dire. Après, ouais, on voit que les fonds marins sont modélisés, c'est pas mal, un peu vide, hein, c'est du sable, mais sinon c'est pas mal, il y a de l'idée en comparaison à ce qu'il y avait avant, c'était assez terrible. Mais on marche au fond de la mer, quoi. On marche au fond de la mer. Donc c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf du tout. Paf. Je suis peut-être en train de faire une connerie là. Mais bon, on teste. On fait des tests. Alors, ça fait quoi ça? Ouais, ça fait exactement ce que je m'imaginais que ça allait faire. Bon, on fait demi-tour. On va là-bas en haut de la montagne. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Espérant que ça s'améliore un peu tout ça. Parce que là, pour l'instant, je trouve ça assez. What the fuck, hein, j'ai envie de dire. Ok, bon. Petit problème. J'étais coincé au fond de l'océan. Là, je pouvais pas ressortir de ma faille. De ma faille coincée au fond de l'océan. Et je n'arrive plus à rejoindre de serveur. J'ai fait que relancer le jeu, quitter le jeu, parce que c'est comme ça que j'ai fait plusieurs fois pour rejoindre un serveur. Et là, je n'y arrive plus. Donc, c'est assez désagréable. Et Virma, il n'y a personne. Et voilà ce que ça fait. Ça fait ça. Je lance le jeu, je quitte le jeu. Ça me renvoie sur l'écran principal. À chaque fois, ça me renvoie là-dessus. Donc, on va stopper la vidéo ici. Tout simplement. Voilà. Donc alors, ce que je peux dire par rapport à cette mise à jour Evirma, bêta test fermé, what the fuck, trop bêta, beaucoup trop bêta, je peux dire qu'en fin de compte, c'est ce que j'ai dit un peu pendant toute la vidéo, c'est que la map est extrêmement jolie,
Après, moi, ça, c'est toujours mon ressenti et mon point de vue. J'aime bien des maps avec, avec différents paysages, avec différentes zones, différents climats, différents biomes. Et là, visiblement, c'est un peu dans le même esprit. Il y a une énorme jungle. Alors, visiblement, la map, elle n'est pas entièrement ouverte pour l'instant. Donc, il y a une énorme jungle qui est au centre, ou j'en sais rien, mais il y a une énorme jungle dans la map. Où on est un peu perdu, on n'a pas trop de points de vue, mais qui est très très bien modélisé. Il y a des terres qui ressemblent à la savane. Et le reste, j'ai pas pu le voir parce que, bah, dans tous les cas, la map est pas entièrement ouverte. Donc, premier point, nouvelle map qui est très jolie, mais pas assez diversifiée à mon goût. Et ensuite, ben ensuite, j'ai envie de dire, c'est un peu le vide, hein. C'est un peu le vide parce qu'on a accès à rien. On a accès strictement à rien. Voilà, strictement à rien, j'étais assis là comme ça devant vous en direct, sans filet, j'avais envie de dire. Mais ouais, on a accès à rien, donc ok, bon, pourquoi pas n'avoir accès à rien, ne pouvoir juste utiliser aucune mécanique du jeu, c'est plutôt intéressant. Les nouveaux dinosaures et tout ça, ben, on n'a pas accès non plus. Regardez ce beau Spino là, et le crocodile qui était derrière. On n'a pas accès, on a accès à que deux dinos pour l'instant. Mais écoutez, je trouve que tout ça c'est extrêmement décevant. Extrêmement décevant. Je vais pas jouer pendant 4 heures non plus pour l'instant. Parce que pour histoire de voir le système de gros et tout, parce qu'on sait pas comment ça fonctionne. Mais pour une mise à jour qui a été reportée très souvent. Très souvent. On est le 19. C'est censé sortir maximum demain, vraiment la version un peu officielle en gros. J'ai pas l'impression que ce soit prêt. Donc voilà. Et surtout, il y a ce qu'on a vu dans le jeu, c'est-à-dire que le dinosaure qui est un peu, qui flotte un peu sur les rochers quand il marche dessus, quand le dinosaure est posé, la queue pareil qui flotte, l'eau, c'est incroyable de pouvoir aller sous l'eau comme ça. Bon bref. Dans l'ensemble, je trouve ça extrêmement mitigé quand même. Hein. Genre, il y a une belle map, et puis tout le reste, ça m'a l'air pas prêt du tout à sortir. Mais alors vraiment pas tout ce qu'on voit derrière là depuis tout à l'heure. J'ai pas l'impression que ce soit d'actualité. Donc, écoutez, dites-moi dans les commentaires si j'ai raté des trucs et tout. Mais je trouve que pour le temps que ça met, vraiment là il y a rien en fait. Il y a rien, donc bon. Voilà. Très déçu quoi. Très déçu, j'ai envie de dire. Donc, bah, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss tout le monde.